Rencontre d'échange entre le collectif pour la défense des militaires et le Conseil national de la jeunesse a eu lieu ce lundi 29 mai 2023 à Bamako. Le rapport des Nations Unies sur Moura, la suivi de la plainte introduite par le Mali contre la France auprès des Nations Unies, sont entre autres les grands sujets discutés au cours de cette rencontre. Cheminement, le CNJ étant saisi officiellement par le CDM, pour lequel nous réjouissons, nous avons informé le CDM de notre désir et de notre volonté, communément à ce qu'ils avaient dit, d'aller avec l'ensemble des couches maliennes pour donner plus de vigueur et plus d'agressivité à la dynamique. C'est d'ailleurs pourquoi nous avons informé le CDM comme quoi nous allons les mettre à disposition et créer un cadre permanent de dialogue pour que très rapidement nous puissions donner la réponse appropriée et proportionnelle à l'attaque, parce que moi je considère tout ça comme une attaque. Dans un combat, il y a toujours des gens qui nous accompagnent dans un premier temps, qui vont nous abandonner en cours de route. À l'arrivée, nous ne serons pas beaucoup, mais seule la victoire compte. Merci. Une rencontre chaleureuse visant une synergie des forces pour le Mali. Le remercions de l'accueil réservé à la délégation du CDM. Donc, ravi de cette rencontre, parce que quand il est question du Mali, c'est tout le monde qui devrait se mettre sous pied et afin que chacun puisse jouer sa partition. Et dans un cadre de réflexion contre ces fameux rapports du Haut Commissariat des droits de l'homme et le suivi aussi de notre plainte, la plainte du Mali bien sûr, contre la France. Et la rencontre a été chaleureuse. Nous avons eu à tirer d'autres initiatives à partir du CNJ ici que nous allons. Si se réunir est un débit, rester ensemble est un progrès, travailler ensemble est la réussite. Sur Baba Info, revue de la semaine. Revue de la semaine. Doudou Baba.